Pense que le direct est lancé. Bonjour à tous. Il n'est pas encore l'heure, donc je vais attendre que tout le monde arrive. Il nous reste 2-3 minutes avant midi pour commencer ce live du jeudi midi. Je vérifie 2-3 trucs. Je suis pas sur le logiciel habituel. Voilà, on est bon. Et puis, est-ce que quelqu'un peut juste mettre un commentaire rapide pour que je vois si ça marche bien? Hello à tous. Ok, normalement je vais devoir pouvoir voir les commentaires ici. Ok, alors, bonjour Kate, merci. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce live du jeudi midi. Maintenant sur cette page, il y a deux lives, celui de Marion qui a lieu le mardi à 11h45 et qui vous présente eh bien, tous les webinaires que nous réalisons, toutes les nouveautés, toutes les actualités. C'est le webinaire Genepsy Info présenté par Marion le mardi à 11h45, ce qui vous permet de récupérer tous les liens qui vont bien pour vous inscrire au webinaire gratuit, au webinaire payant si vous le souhaitez, et avoir un petit peu de l'actualité au fur et à mesure sur les troubles du neurodéveloppement. On va construire le contenu de ce webinaire du mardi avec Marion en cohérence et on va enrichir le contenu au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des souhaits par rapport à ce Genepsy Info, tel un journal télévisé, mais sur Facebook avec une audience bien particulière, les personnes intéressées par les troubles du neurodéveloppement à tous les âges de la vie. Et justement, bonjour à tous ceux qui arrivent, merci d'être là. Justement, aujourd'hui, j'aimerais répondre à vos questions, comme d'habitude, en toute transparence, sans tabou, au sujet de l'activité de psychologue en libéral, le psychologue en tant qu'entrepreneur, mais aussi au sujet des troubles du neurodéveloppement à tous les âges de la vie. Et aujourd'hui, là, je suis sur un temps où je parfais, je sais pas si ça se dit, mon bouquin, et je suis sur la partie, justement, de la dyslexie à l'âge adulte. Et j'ai ce super bouquin unique en son genre, il n'y en a pas d'autres en français à ma connaissance sur cette thématique-là, édité chez Debuc, La dyslexie à l'âge adulte, approche neuropsychologique. Ça a été coécrit par Pascal Collier, enfin le professeur Pascal Collier, docteur Eddie Cavalli et docteur Lynn Ducamp. Et puis j'ai vraiment un petit coup de cœur pour ce bouquin parce que moi j'ai fait mes études, ma licence avec Eddie Cavalli, qui était à l'époque un ami. Aujourd'hui, on a toujours des contacts, mais effectivement, on se voit beaucoup moins. Mais bah, j'étais encore en contact avec lui par mail tout récemment pour parler de dyslexie à l'âge adulte, pour lui expliquer que j'en parlerai un petit peu dans mon bouquin, avoir des références de littérature. Mais effectivement, avec ce livre tout récent, hein, 2020 ou 2021, ça dépend vraiment quand il a été publié, mais on est dans ces eaux-là, 2020, d'accord? Avec ce bouquin-là, pour moi, j'ai tout ce qui me faut pour aller avoir de l'info et aller bouquiner bah, toute la bibliographie qui est évidemment indiquée à la fin de chaque chapitre. Donc, je suis trop contente que ce livre ait été publié, alors par intérêt personnel, mais aussi parce que ça n'existait pas jusque-là un bouquin spécifique sur la dyslexie à l'âge adulte. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? C'est ce qui nous intéresse en général. Alors, c'est pure technique, hein, on n'est pas sur. Il va falloir se concentrer pour lire, il faut aussi apprécier ce trouble de la dyslexie. Bon, moi, ce qui n'est pas mon cas, je n'aime pas du tout bosser là-dessus, mais bon, ce n'est pas un souci, je le fais quand même. J'y prends quand même du plaisir, mais c'est vrai que si j'avais le choix, je n'irais pas vraiment. Les revues de littérature à ce sujet-là, ce n'est pas celles qui me font le plus kiffer. Chacun son truc. Donc, on a évidemment une présentation, une introduction sur la dyslexie chez l'adulte. Je viens de la finir, elle est vraiment géniale. Je trouve que le bouquin est super bien écrit et très très bien structuré. On a 11, non, 13 chapitres. 13 chapitres. Le premier chapitre sur les adultes qui manifestent des troubles d'apprentissage en lecture avec une revue de la littérature, une revue sélective avec adultes et troubles d'apprentissage en lecture. Le chapitre 2 va concerner, tout comme en fait le chapitre 2, 3, 4, et 5 et 6 vont concerner
des compétences cognitives, des capacités cognitives. Donc le chapitre 2, traitement phonologique. Le 3, compétences langagières, orales et la lecture. Le 4, le traitement visuo-orthographique. Le 5, un de mes préférés, vous vous en doutez peut-être, vous allez comprendre, traite des fonctions exécutives chez l'adulte dyslexique. Et le 6, traite de la mémoire des adultes avec dyslexie. Voilà. Ensuite, le chapitre 7, on est plus sur du neurologique. Donc là, on était sur du fonctionnement neuropsycho. Le chapitre 7 s'intitule le fonctionnement neurologique. Le 8, on est sur un chapitre que j'adore. C'est le dépistage et le diagnostic de la dyslexie. Alors là, c'est spécifique à la personne à l'université. Alors attendez, je vais juste faire une petite vérification. Chapitre 8, c'est page 200 et quelques. Le dépistage et diagnostic de la dyslexie à l'université. Et on va parler en fait de l'évaluation des étudiants dyslexiques qui sont dans un cursus d'études de formation universitaire. D'accord? Dans le résumé, c'est écrit que plusieurs études ont déjà suggéré qu'un nombre limité de thèses pourrait suffire à évaluer les étudiants dyslexiques à l'université. Une nouvelle étude menée dans une autre langue que l'anglais vient de confirmer cette hypothèse. En effet, trois tests suffisent pour diagnostiquer la dyslexie chez le jeune adulte. Je ne vous en dis pas plus. Le chapitre 9, toujours de ce bouquin, concerne les stratégies d'apprentissage et la métacognition chez les adultes dyslexiques. Donc c'est génial, hein. On est sur des revues de littérature, puis sur la question de qu'est-ce qui se passe au niveau neuropsycho, puis qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique, et ensuite on a sur des questions de dépistage et de diagnostic, et puis on est sur des questions de prise en charge d'accompagnement. Le chapitre 9, stratégie d'apprentissage et métacognition. Le 10, rééducation cognitive et changements neuronaux. Et ensuite, on a, alors je parlerai du 11 après. Le chapitre 12 traite de la compensation chez l'adulte en cursus, au niveau universitaire. Et puis le 13 sur comment aider au mieux les étudiants dyslexiques à l'univ. Je vais vous parler du chapitre 11 qui est, moi je trouve qu'il est bienvenu, c'est pas fréquent d'avoir ce genre de chapitre. Ce chapitre 11 en fait est écrit par Franck Ramu, je sais jamais si on prononce le S. Et ça s'appelle le débat sur la dyslexie. Et je trouve ça très très intéressant d'avoir mis un chapitre comme ça par cet auteur. Je l'ai lu un petit peu en travers et Franck Ramu traite des questions sur la définition de la dyslexie, se questionne sur les individus avec dyslexie ont-ils des déficits cognitifs caractéristiques? Les individus avec dyslexie ont-ils des caractéristiques biologiques spécifiques? Ensuite, est-ce que un même traitement est-il approprié pour tous les faibles lecteurs? Et ensuite, il y a aussi des choses un petit peu plus, disons, dynamiques, qui peuvent soulever des débats, justement, c'est le titre du chapitre. Le concept de dyslexie est-il nuisible? Donc, c'est vraiment très intéressant. Et si je vous explique un petit peu comment a été construit ce chapitre, il est basé, sur le bouquin The Dyslexia Debate, par Elliott et Grigorenko, qui vise à remettre en cause, je cite, hein, la pertinence du concept de dyslexie développementale par rapport à celui de difficulté de lecture. Les auteurs, Elliott et Grigorenko, passent en revue la littérature scientifique sur les difficultés de lecture et argumentent qu'il n'y a pas de preuves scientifiques suffisamment solides à l'appui. Et ce chapitre va traiter notamment de cette phrase-là, de ce résumé. Je ne vous en dis pas plus. Mais du coup, je trouve que ce chapitre est bienvenu. Au moins, on en parle. Le débat ne se fait pas qu'à l'oral, ni uniquement entre chercheurs et ou cliniciens proches de chercheurs. On peut retrouver les éléments de débat dans un bouquin et puis se faire sa propre idée. Mais au moins, ça fait un endroit unique où se retrouvent des informations auxquelles tout le monde peut avoir accès. Je trouve ça vraiment, vraiment pas mal de mettre par écrit un débat dans un bouquin. Donc moi, je vous le recommande ce livre. Je vous le recommande vraiment si vous bossez avec des jeunes adultes ou des adultes dans le cadre de bilan à visée de dépistage ou diagnostic des 3
troubles du neurodéveloppement chez le jeune adulte ou chez l'adulte, pour moi, ça fait partie des indispensables. Parce que même si vous spécifiez, je crois que je vais le mettre pour éviter de le tenir, si vous spécifiez chez l'adulte, par exemple, TDAH ou alors avec autisme, c'est pas exclu que une des difficultés peut être en lien avec de la dyslexie qui n'a jamais été évaluée. D'accord? Il y a des statistiques dans le bouquin, vous irez voir sur le diagnostic tardif de la dyslexie. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête quand on a ce rôle de psychologue qui évalue les troubles du neurodéveloppement. Alors, je vais revenir à vos commentaires et bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Aujourd'hui, je vous présente ce bouquin du professeur Collet, du docteur Cavalli et du docteur Ducamp, La dyslexie à l'âge adulte, publié chez Debug. C'est un indispensable pour moi à avoir, c'est mon conseil. Johanna, oh, mais c'est génial ça. Une des profs que je vais avoir bosse sur ce thème, justement, j'aimerais beaucoup travailler avec elle l'année prochaine. Eh bien super, ça fait déjà, je vois que tu as déjà des projets un petit peu spécifiques en termes de thématiques, Johanna, c'est génial. En licence, c'est vrai que c'est pas forcément, c'est rare à ma connaissance de voir des étudiants qui ont déjà des thématiques bien spécifiques sur lesquelles ils ont envie de travailler. La dyslexie chez les étudiants à l'université, ouais. Moi, je vous ai dit, hein, c'est pas du tout un sujet que j'apprécie, qui m'excite, mais c'est important quand même d'être informé à un niveau professionnel à ce sujet-là. Et puis comme je vous disais, Eddie Cavalli, moi j'ai fait mes études avec lui, c'est un gars qui est génial. Et si vous avez l'occasion de travailler ou d'échanger avec lui, vous verrez, c'est vraiment super. Sarah, oui, je suis d'accord, Johanna, ce livre semble vraiment très intéressant et riche. Ouais, tout à fait. J'aime le fait que les ressources sur les TND évoluent de plus en plus vers la population adulte. Et oui, Sandra, on est trop content de voir cette évolution relativement rapide depuis quelques années, même si au niveau de la clinique, je veux dire de la pratique, ça ne va pas assez vite à mon sens. Par contre, au niveau de la recherche, il y a des trucs, je vous le garantis. J'ai épluché la collection Springer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre le lien. Voilà, Springer. Dans cette collection-là, eh bien, vous avez tout un tas de bouquins qui vont concerner spécifiquement TND et adultes. D'accord? Et vous pouvez les télécharger en PDF. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça signifie que vous pouvez facilement et rapidement les traduire si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Donc, plus aucune excuse pour vous les procurer. Vous procurez ces bouquins, même si certains datent de 2017, 2018 ou 2019, ça sera toujours des informations que vous ne trouverez que très rarement en français. Ça sera jamais aussi pointu en français dans ce qu'on peut trouver dans les bouquins actuels. D'accord? Hormis, par exemple, ceux-là qui sont très très récents. Mais ouais, je vous recommande vraiment le site springer.com et dans toute façon tous les webinaires qu'on fait avec Sébastien, toutes les vidéos du Genepsy Lab et les formations hybrides que l'on propose avec Genepsy Formation ont comme socle, d'accord, comme base scientifique, en partie la collection Springer avec tous les bouquins. Je vais vous dire que là, du coup, je suis sur l'ordi, c'est un peu plus simple pour avoir différents types d'informations. Avec Sébastien, on a un petit dossier partagé. On s'est acheté tout un tas de bouquins de chez Springer. Donc là, sur l'ADHD, on en a 12. Sur ASD, l'autisme, on en a 6. Donc 6 plus 12. Est-ce que quelqu'un fait le calcul? Moi, je suis juste trop nulle en calcul mental. Donc là, on en a 10 sur les TND de manière générale et sur le développement de l'enfant et de l'ado. Et encore 4 pour le SGT, 4 références pour le SGT. En France, c'est juste pas possible d'avoir 4 références sur le SGT avec des bibliographies solides et des revues de littérature. Donc, si je sais pas si quelqu'un a compté, mais si quelqu'un veut me dire le résultat de cette très complexe addition, je le redis si vous avez besoin, 12 plus 6 plus. Oups. Plus 10 et plus 4. Voilà. Eh bien, ça, c'est la somme totale de tous les bouquins de chez Springer qu'avec Seb, on est en train de lire, on est en train de poncer et qui font partie du socle sur lequel on s'appuie pour vous proposer du contenu, des formations webinaires ou formations hybrides. Amélia, tu dis, pour moi, c'était mon sujet de mémoire en Master 2, mais chez l'adolescent. Ouais.
Génial. La dyslexie, c'est un des sujets les plus étudiés hein, dans la recherche, clairement. Donc, ça, c'est vraiment pas étonnant. Après, il y a une autre tronche hein, au niveau de la dyslexie, c'est le docteur Sylvia Novaldo. Sur son profil universitaire. Donc, elle est bien au LPNC à l'Université Grenoble-Alpes, dans le laboratoire de psychologie et de neurocognition. Et Sylviane Valdois, c'est une des références pour la dyslexie, encore à l'heure actuelle. Hein. Je suis en train de regarder son profil chercheur, du coup. Télécharger l'orthographe illustrée. Qu'est-ce que c'est? Le fond direct. Orthographe illustrée, je vais regarder, je vais vous dire si ça. Qu'est-ce que c'est? L'orthographe illustrée, c'est un bouquin, un PDF d'un bouquin. Ok, de quand est-ce qu'il date? Je ne sais pas, il n'y a pas trop la ref. Valdois, de Prat-Sauron et Hulin. Ok, bon. En tout cas, vous pouvez aller sur son profil universitaire, Sylviane Valdois, le docteur Sylviane Valdois. Voilà, au niveau de la recherche. Ok, Johanna, 32, merci. Eh bien, voilà, chez Springer, le site que je vous ai mis en commentaire, on a acheté 32 bouquins de chez cet éditeur que l'on est en train d'étudier à fond pour vous proposer des contenus. Nos contenus, évidemment, ne sont pas issus que de cette littérature des éditions Springer. Il y a tous les autres articles des revues qui paraissent sur les sites où on peut trouver ces articles, hein, par exemple PsycInfo, et aussi des bouquins en langue française, comme celui-là. D'accord? Mais voilà, c'est un socle quand même solide, surtout pour moi, pour préparer les contenus. Alors, j'ai vu un mot interdit là. Il est où? En effet, Mabel, il y a beaucoup de multidis. Multidis. Alors ça, on en parle ou pas du multidis? Je vous le demande. C'est vous qui me dites. Alors, ah oui, l'enseignante. Donc, Johanna, tu dis l'enseignante dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'aimerais travailler, c'est Pascal Collet. Ah bah, si tu apprécies la recherche sur la dyslexie, effectivement, bosser avec Pascal Collet, ça serait vraiment super top pour ta formation universitaire, clinique et recherche, clairement. Il y a d'autres chercheurs qui sont très très bien aussi. C'est vrai que Pascal Collet fait partie des références. J'ai commandé ce livre. Génial. Super, super. J'ai aucun royalties hein, sur les bouquins que je vous présente. Je les présente uniquement s'ils me plaisent. Voilà, c'est voilà, uniquement les bouquins qui me plaisent, qui ont eu un intérêt dans ma pratique clinique et dans ma pratique de formation continue. Voilà, après, ceux que je ne présente pas, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Soit je n'ai pas encore eu le temps, soit je compte le faire, soit effectivement je ne les aime pas. Mais je ne me sens pas à l'heure actuelle, même si on peut retrouver des avantages à le faire, à faire des critiques, disons, constructives peut-être, mais en tout cas négatives de bouquins que je lis. Voilà, simplement, je ne les présenterai pas. Après, n'hésitez pas à me solliciter pour des bouquins que vous aimeriez que je regarde et que je vous fasse, que je vous donne mon point de vue là-dessus. Hein. Ça, c'est aussi possible. Ok. Eh bien, alors, juste un point sur le programme. Tac. On va se retrouver très bientôt, ce soir, pour certains d'entre vous, puisque ce soir, à 18h30, il y a le webinaire expert avec Géraldine Maigret qui vous parlera de la prématurité. C'est hyper important, notamment quand on rencontre des enfants et des ados, mais aussi des adultes. Elle va vous parler de l'impact de la prématurité sur la cognition, le comportement et les émotions. C'est un webinaire qui est immanquable. Surtout qu'on en parle, à ma connaissance, relativement peu dans l'enseignement. Ensuite, on se retrouve aussi lundi 3 mai à 10h, si je ne me trompe pas, mais je vous remettrai l'info à la radio. Je ferai un live lundi matin vers 10h, ou non, à 9h. À 9h, je serai en direct à la radio à France Bleu Drôme-Ardèche pour parler du haut potentiel intellectuel. Voilà. Ensuite, je vous retrouve tous les jeudis. Tous les jeudis pour des lives où n'hésitez pas à préparer vos questions et à les poser en commentaire. C'est fait pour ça, un live où je réponds à tout ce qui concerne le psychologue en tant qu'entrepreneur lorsqu'il est en libéral, les troubles de neurodéveloppement à tous les âges de la vie. On se retrouve très bientôt. Je répondrai à vos commentaires si vous avez des questions en replay.
Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Moi, je retourne continuer à travailler sur mon bouquin qui sort en novembre. Bonne journée à tous. Ciao!